Ok, Lozira versus Taïja. On est sur Valet en clavier. On est en B3 contre eux. J'ai l'impression que Lozira vient de perdre sa B4. Taïja qui suit à la population. Comment ça va, mon petit Anos? Oh, écoute, ça va nickel. Plutôt oui. Bien dormi. Oui, oui, oui. Et du coup, ouais, pas mal de tourmenteurs qui se font attaquer. On voit qu'il est en marine maraudeur là. Taïja, c'est important là. On vous rappelle que vraiment, il mène 1-0. Hein. C'est comment dire, si tu perds ce match en gros, enfin, si tu perds ton BO3, tu sors maintenant de la compétition. Tu sors. Donc là, run by direct dans la B3 de Taïja. Et on retrouve notre observateur épileptique de la MLG avec la souris. Et là, un très très joli move de la part de Lozira. Taïja qui mise. Oh, attention, il est Manigou. Oh, c'est bien, j'ai comment il les a remontés dans le Medivac. Oh, clairement, les marines les plus flippées du monde. Ouais. Taïja qui a peut-être fait un opening Banshee Cloak parce que là, je le trouve vraiment en retard sur les Upgrades. Tu vois, son 1-1 est envoyé tard alors que le 2-2 va se terminer. Donc là, on voit que Taïja, quand même, il est pas très très bien dans cette game. Il va avoir sa composition Marine Tank. On voit qu'il rajoute une deuxième Factory. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il va commencer à envoyer les tanks par 2 ou par 3. Mais il m'a l'air quand même en difficulté, quelques arines qui arrivent. Ici sur les marines de Taïja qui tient. Et Taïja qui va laisser finalement sa B3 découverte à nu. Les unités de Lozira qui ne savent plus où donner de la tête. 94 de pop contre 140. Lozira qui est en train de faire du gros dégât. Bravo, un partout, Lozira qui remporte cette game. On se retrouve juste après une courte page de pub pour la deuxième game de Lozira Taïja. A tout de suite. Zbah!